Le sourire de ses enfants après un long et dangereux voyage. Ils étaient parmi les 500 migrants à débarquer à Porto Empedocle en Sicile ce dimanche. La plupart des Érythréens et des Somaliens, dont beaucoup de mineurs. Selon Save the Children, 450 sont arrivés ce week-end, dont 317 non accompagnés. Ils sont passés par la Libye, par des centres comme celui-ci à Misrata, où ils sont des centaines à partager la même détermination, traverser la Méditerranée, oublier à jamais le pays qu'ils ont fui. Si vous nous renvoyez, dit cette jeune femme, on va nous jeter en prison. On va nous forcer à aller nous battre à la guerre. Je ne veux pas retourner dans mon pays. Je veux rester en Europe. Ils prennent la mer sur des embarcations gonflables, de plus en plus nombreux. Au premier trimestre 2015, 480 sont morts noyés contre 50, la même période de 2014. Près des côtes italiennes patrouille le garde-côte islandais Týr. Il fait partie du dispositif européen Triton. Face aux accusations de ne pas faire assez pour sauver des migrants en détresse, cette porte-parole insiste. Nous participons à de nombreuses opérations de recherche et de sauvetage très loin des côtes italiennes, généralement à environ 40 miles marins au nord de la Libye. Triton est une opération de patrouille couvrant une zone de 30 miles nautiques aux frontières italiennes du sud. Elle remplace Mare Nostrum, le dispositif de sauvetage italien qui a pris fin en octobre dernier. Or, Mare Nostrum coûtait 9,3 millions d'euros par mois, alors que Triton, chaque mois, ne dispose même pas de 3 millions. Un poids trop lourd à porter par l'Italie toute seule. Le pays est déjà débordé par le nombre de demandeurs d'asile. Plus de 10 500 sont arrivés depuis le début du mois d'avril. Mais peu importe les risques encourus, les migrants n'ont pas le choix, comme l'explique ce jeune Somalien. Je ne peux pas vivre là-bas, dit-il. Là-bas, vous avez seulement deux solutions. Soit vous êtes soldat, soit vous êtes islamiste. Et moi, je ne veux pas mourir trop tôt.